Yep, les gens, c'est Verxio, c'est aujourd'hui une deuxième vidéo, donc je sais pas si je la posterai aujourd'hui, donc comme vous voyez en bas, on est le 11 novembre 2015, du coup je sais pas si je la posterai aujourd'hui ou peut-être demain ou je verrai. Du coup ça va être sur une petite vidéo fun quand même, hein. Ça va pas être une énorme astuce ou quoi, parce que je viens d'à peine de poster une vidéo. Et ça va être sur la coiffe de Godzilla, donc c'est vraiment pas une astuce, hein, je vous conseille vraiment pas de la faire. C'est juste, j'étais en banque, j'ai 1000 kamas de ressources en banque, donc j'ai regardé en cliquant. Quand vous allez dans votre inventaire ou en banque, vous cliquez sur recettes possibles et vous avez toutes les recettes qui s'affichent, donc je pouvais crafter ça avec tout ce que j'avais en banque, donc pourquoi pas. Donc on va voir la recette, donc. Ça remonte à 200 de vita, donc mon jet est légèrement assez pourri. Donc les runes nuts qui valent assez cher, les runes PO pareil. Donc un item qui est, je pense, presque jamais concassé. Donc on va tout simplement essayer de le concasser et voir les runes qu'on va obtenir. Donc étant donné qu'il vend 600 000 kama, le but va être d'obtenir plus de 600 000 kama de runes. Donc là j'ai absolument rien en ressources, donc j'espère qu'on va obtenir vraiment pas mal de runes. Eh ben c'est bon ça les gens, 441 de coefficient, 60 runes repère neutre, 1 million de kama, on a fait x2, des petites runes PO, donc ouais, on vient de se faire 1,6 million, donc je pense, juste pour le fun, je vais dépenser mes 4M qui me restent en runes et les revendre, puisque je vous ai déjà fait une vidéo comme ça, vous avez vraiment plu, on avait atteint les plus de 2000 vues. Les plus de 25 gemmes, etc. J'avais vraiment été content de cette vidéo. Là encore, qu'est-ce qui recommence? Des runes en masse. Donc, on était à, attendez, 380 000, 360 000, 420 000. Du coup, on était à 100 000 kama à la base. Donc, dites-vous qu'à la base, il y avait que 100 000 kama. Donc, vous enlevez, ça fait 423 000. Du coup, on met les runes repère neutre. Et voilà, les 10 qui coûtent 189 000. Et franchement ça se vend très 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 bien les gens. Hop. Et voilà, donc j'ai le prix. Je suis vraiment content de l'affaire que je viens de faire. Donc j'hésitais à mettre HDV. Donc regardez bien votre banque, jetez jamais vos ressources, gardez toujours tout en banque. Vous gardez absolument tout. Et je peux vous dire, ça va coûter cher en Kama. Donc après si vous avez une banque, c'est vraiment le mieux. Vous postez tout dans la banque et vous faites pas mal de bénéf. Du coup je pense je vais faire comme la dernière vidéo. Je vais d'abord concasser d'autres objets avec les 4M. Et je remettrai la vidéo ensuite. Donc on va concasser une deuxième coffre de Godzilla. Donc à faire un 60 runes repère neutre, pas mal du tout. Donc coiffe Godzilla. Donc on en prend une deuxième. On va acheter d'autres trucs, hein, en passant. Après le craft, je pense que je vais le craft parce que j'ai de quoi craft en banque. J'ai tout pour le craft, sauf il manque 6 galets rutilants et 8 de ça, je crois. Ouais, non, ça vaut assez cher. Je vais l'acheter direct, on s'en fout. Hein. C'est pour le fun. Donc la cape, on va prendre une cape d'ogivole. J'ai peur que ça soit concassé, mais non, il n'y a pas de repère. Moi, je veux vraiment des repères. Donc repère haut, pas mal du tout aussi. La petite rune PO 720 000. J'aimerais descendre en dessous des 600 000. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va chercher? Ça a l'air d'être farm, je pense, hein, quand même. 300 000 kama, ça coûte seulement. Allez, une petite tangu. Faut que je regarde. Je vais regarder vite fait avec mon second compte. Non, je suis dans le donjon Cancreblade. Je pexe mes persos. Donc attendez, je coupe la vidéo. Je vous remets dès que j'ai trouvé les items que je... Donc j'ai regardé, donc il n'y a que les hauts fenêtres de résistance qui sont farmées, enfin qui valent des kamas. Terre R ça vaut 25 000, les 10 et 30 000, donc ça vaut vraiment pas le coup. Du coup je vais voir l'HDV des cordonniers puisque qui est très peu farmé. J'ai peur d'acheter des bottes brousse. Ah bah il y a une rune PM. J'ai vraiment peur que ça ne marche pas. On va prendre un beau jet, hein. 500 000 kama, j'espère qu'il y aura du pourcentage, ça m'étonnerait énormément. Franchement, donc peut-être que j'ai perdu 500 000 kama. Après, je m'en fous, hein, je viens de faire un M7 de bénéf avec l'autre item. J'ai pas trop envie d'acheter ce genre de bottes. Peut-être une botte de boréal,
Non, il n'y a pas de résistance. Je regarde d'ailleurs les bottes de Bruce, il y avait des résistances haut, nickel, qui valent les 10 170 000. Donc on va aller voir l'HDV détailleur, faut que je vérifie la cape Fuji qui rajoute 1 PM, combien elle coûte HDV. Donc c'est vraiment une action à risque, hein. Faites pas forcément ça. 675 000 Kama, de reste largement potable. Ouais non, je vais pas prendre ce jet. Hop, nickel. Donc voilà, donc un jet de craft, on y va. C'est parti les gens. Donc je viens de dépenser encore un M8. Donc j'espère, attendez, je regarde combien je me suis fait avec la coffre de Godzilla. Un M6. Ouais ben voilà, tout ce que je viens de dépenser en fait. La coffre de Godzilla, c'était que des percos que j'avais posé. Non, même pas. J'avais fermé pendant pendant la zone. Pourquoi je vais forge magie, moi, faut que je brise les objets. Donc c'est parti. Donc allez, on commence par la cape. Bah c'est bon ça, une petite tringa PM. Bon, après c'est assez dommage. Ah, il y a quand même 4 repères neutres. Donc j'ai perdu pas mal de kama, je trouve, avec celle-là. On passe à la botte Bruce qui, elle, je pense, ça va faire un gros bide. Ouais, une ringa PM, un gros bide. Et bah, l'autre coffre de Godzilla qui va encore rattraper. Ouais, voilà. Le coefficient qui a quand même baissé de 150%. Merci. Du coup, on était à 4M. On va dire 4M5. Que j'étais à 4M5, on va dire. Donc, faut que j'aille plus de 2M3. Voilà. Donc, je pense, ouais, je vais dépasser les 2M3. 16 000. Bah, attendez, est-ce que c'était les miennes? Ah non, c'est des repères hauts. Ok. Ok. Du coup, on va prendre. Hop. Voilà, donc les RR qui valent absolument que dalle. Donc je remets dès que j'ai tout mis en... les gens, vous voyez ce que je vois? Rune Pado, 50 000 km à unité. 50 000 km à unité, j'en ai 15. Ça fait 750 000 km. Attendez, j'ai vraiment touché le pactole en fait en faisant ça. J'ai déjà 3M, j'ai même pas la moitié des runes. Ah ouais, j'ai vraiment fait full bénéf. 3M, ça veut dire 5M, surtout que c'est des runes qui se vendent très très rapidement. On peut dire que j'ai fait du bénéf. Donc voilà, donc c'est pas mal du tout. On arrive à un total de 4M6, donc j'avais déjà 100 000, donc 4M5. Ce qui fait qu'on avait dit qu'on était parti à 4M5. En fait, on s'est refait ce qu'on avait au début, plus 2M1. Du coup, ça fait 6M6, donc 6M7. Pas mal, vraiment pas mal du tout. Par contre, si vous le faites vous, c'est vraiment à vos risques au péril. Donc moi, j'ai vraiment mis full, hein. Tiens, juste pour vraiment compléter, on va mettre une dernière. Et voilà, donc 199 sur 199 objets. Donc d'ailleurs, déjà des choses qui sont vendues, hein, une Ringa PM et 10 runes ravies. C'est tout. Donc je vous conseille pas de faire les objets PA PM surtout. Finalement, ne faites pas de bots. Faites les objets, on va peut-être même en refaire un, mais je pense pas puisque j'ai plus de... Enfin si, j'ai des kamas, mais j'ai plus d'espace pour mettre les runes, à part si je le mets sur mon cra. Faites des choses vraiment abandonnées dans des HDV que plus personne n'utilise, mais surtout, farmez les résistances au feu et neutre qui valent vraiment très cher en ce moment. Il y aura toujours des personnes qui achèteront. Moi-même, j'en ai acheté il y a pas longtemps. Et vous voyez vraiment qu'il y a pas mal d'items qui sont... en fait, les items les moins utilisés sur des persos qui sont vraiment abandonnés de tout Dofus, c'est ceux qui marchent le mieux. Ça ne m'étonnerait pas que les Dagressus marchent, PO et les résistances neutres. Quoi de mieux en plus de la puissance qui vaut assez cher. On peut tomber sur pas mal, une centaine de runes passage, je pense, s'il y a un bon coefficient. Donc vraiment, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gens. Donc s'il vous plaît, lâchez un like, abonnez-vous et allez, ciao ciao tout le monde.